Est-ce que tu serais ok pour te poser avec un acteur X? Poser? Ouais. Bah oui. Comment ça, olé, olé. Bah des films un peu pas très catholiques. Ouais, okay, bah. Twitter. Celui d'en haut? Ouais. Donc aussi Freddy, encore une fois. Alors lui, il a au moins 9000 femmes à son actif. Hein. Mais il est charmant. Il est charmant, t'es bien. Ouais. J'avais dit que Freddy, c'était le meilleur. Salut à tous la team, pour faire partie de la team Nyama, la meilleure team du monde, la plus marrante, mettez ce logo là en tant que photo de profil YouTube, voilà. Le lien pour télécharger le logo est dans la description. Salut à tous, c'est Ricky le Wanda Fouri. J'espère que vous allez bien l'équipage Nyama, donc vous savez très bien, l'équipage s'agrandit de jour en jour, ça fait plaisir, donc du coup mettez votre rôle en commentaire, comme ça on fait agrandir l'équipage de jour en jour. Je veux des Yonko moi, je veux aussi des Chibukai, voilà, je veux tout, des pasteurs, tout ce que tu veux, même des vendeurs à la sauvette, tout ce que tu veux, voilà. C'est quoi la vidéo aujourd'hui? Bon, c'est une vidéo un peu, voilà. C'est qu'on parle souvent d'acteur X, tu vois, d'actrice X. Tout le monde connaît Mia Khalifa, tout le monde connaît, je sais pas comment elle s'appelle, la brune, là, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, c'est connu. Mais maintenant, on va parler des acteurs X, d'accord, ok? On va aller du coup voir des meufs, j'ai pris du coup les 4 acteurs X les plus connus, Rocco Siffredi, tout ça et tout, James Dean, les plus connus. On va aller du coup demander aux meufs lequel, tu vois, elles trouvent beau. D'accord, ok. Et si elles sont prêtes à se poser avec des mecs qui font du X, tu vois. C'est vrai que c'est un débat compliqué, hein. C'est vrai que c'est compliqué. Et vous, les abonnés, est-ce que si vous avez l'occasion de vous poser avec Mia Khalifa ou avec, je sais pas, Tori X ou je sais pas quoi et tout, est-ce que vous le ferez? Malgré que son boulot à côté, elle, tu vois. Est-ce que vous le ferez? Ah, c'est une bonne question, ça, c'est compliqué. Une petite musique d'opening avant de commencer, vite fait, chante, vous allez deviner. Tokini Utsumoleta Kiyoku no Kanata. C'est bon, devinez. Bon, c'est une question un peu bizarre, ok? Mais est-ce que vous avez déjà vu des films un peu olé olé dans votre vie? Oui. Ok, beaucoup un petit peu. Elle dit beaucoup, allez. Non, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, on va dire ça va. Et toi, du coup? Beaucoup, hein. Ah, toi, ça va beaucoup. Ah, bah. Ah, les abonnés, vous êtes contents, hein. Des filles qui assument, enfin. Là, du coup, on a une image, tu veux. Les 4 acteurs les plus connus dans le domaine. Lequel est le plus beau selon toi? Lui, là. Rocco Siffredi. Il a 9000 meufs à son actif. D'accord. Ah, cool pour lui. Ah, il y va, lui, il y va. Hein. Ah, ouais. Et toi, du coup, sur les 4? Le plus beau? On ressemble à Isaac, lui. Franchement, ils sont pas ouf, hein, mais vas-y, lui. Ah, donc c'est Adam. Ouais, il a un beau cœur, ça va. Il a un beau cœur, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, imaginons qu'un de ces mecs veut se poser avec toi en couple. Ouais. Tu serais ok ou pas? Non. Pourquoi? Son boulot, c'est pour ça? Non, c'est même pas son boulot, c'est, je sais pas, même physiquement et tout. Ah ouais, d'accord, ok. Donc toi, c'est d'abord le physique, toi? Ouais. Ah ouais, au moins, c'est bien, les cash. Ça fait plaisir, ça, enfin, les filles cash, ça fait plaisir. Et toi, du coup, alors? Bah, moi aussi, ça a rien à voir avec leur boulot, mais juste, ils sont pas ouf, hein, ils sont pas bons. D'accord. Mais imaginons qu'il est gentil, attentionné. Ok, bon. Bah, si, il me plaît intérieurement, ouais, je m'en fous. Ah, après. Elle est plus douce. Ça, c'est vraiment le physique. Hein. Voilà. Ok, en tout cas, merci à vous. Hein. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. Ok. Alors, est-ce que tu as déjà vu des films un peu olé olé? Bah oui, 51 degrés, 365 jours, Below Hermous. Oui. Et je continue, crois que c'est continue. Tout. Okay. Je crois que c'est tout. Ok. 51 degrés, c'est bien. Ça va. Mal. Ça va. Il y a un bon scénario quand même. Oui, oui, oui. Vous avez les fouets là. Mais faut pas être trop jeune. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Tout à fait. Attention. Alors, ici du coup, on a une image, je vais montrer, avec les 4 acteurs X les plus connus dans le domaine. Ouais. Lequel du coup est le plus beau selon toi? Franchement, aucun. Aucun? Non. Il n'y a pas comme un qui sort du lot? Peut-être lui. Ok, donc c'est Adam. Ok. Ah, il est vraiment connu, hein. Ah, bah je connaissais pas. Ok, bah du coup, imagine que lui vient te draguer. Et du coup, il aimerait se poser avec toi en couple. Est-ce que tu serais ok de poser avec un acteur porno? Un acteur X? Franchement. Ouais. C'est un peu compliqué, je sais. C'est compliqué. C'est compliqué, mais puis ça dépend ce qu'il recherche. Franchement, je sais pas. Mais je pense pas. Ok, c'est le boulot quoi, c'est le boulot. Ouais, mais je pense pas. Ouais. Je pense pas. Mais c'est compliqué, hein. Ouais. Parce que il t'aime, mais il va aller aussi voir d'autres filles pour aller. Ouais, non. C'est compliqué. Ouais. Hein. En tout cas, merci à toi. Je vous en prie, au revoir. Est-ce que tu as déjà vu des films un peu olé olé dans ta vie? Oui. Ok. De ton plein gré, j'imagine. Bah oui. Et voilà. C'est bien, moi, les filles qui assument, c'est bien. Hein, c'est important. Alors. Voilà, ici on a une image, okay, avec les 4 acteurs les plus connus dans le domaine. Lequel, ah, je connais pas vraiment les mecs. Ok, mais du coup, lequel on va dire est ton goût, physiquement parlant? James Dean, Rocco Siffredi? Aucun. Aucun? Non. Bah, il y a quand même bien un qui sort du lot quand même, non? Mon préféré? Ouais. Vraiment aucun. Aucun, okay, d'accord, ok. Peut-être lui. Rocco Siffredi? Ouais. Alors lui, c'est le plus connu. Hein. Ah, il a 9000 femmes, on va dire, à son actif, donc il est vraiment très connu.
Ok. D'accord, ok. Et... c'est pas du tout mon style. Pas du tout, ok. Et du coup, c'est quoi un peu ton style de mec alors, du coup? Moi j'aime bien les mecs et les filles, donc j'aime bien. Et sinon les mecs j'aime de tous tant qu'ils sont gentils, intelligents et charmants. Ok. Moi je peux faire les deux, hein. Non, je rigole les abonnés, hein. C'est une blague. Mais du coup, alors imaginons que lui te drague et te dit j'aimerais me poser, à dire qu'avec toi. Oui. Est-ce que tu serais ok pour te poser avec un acteur X? Poser? Ouais. Bah oui. Oui. Ok. C'est cool alors. Si, si c'est son métier. Moi je suis actrice donc. Et pas actrice. Non. Après, bon, on peut dévier, hein, on sait jamais. Tant que c'est son métier qui choisit, voilà. Ok, ça marche. En tout cas, merci à toi. Bon, merci à toi. Merci beaucoup. Bon, est-ce que vous avez déjà vu des films un peu olé-olé dans votre vie? Comment ça, olé-olé? Bah, des films un peu pas très catholiques. Ouais, j'ai Twitter. Ah, Twitter, oui. Ouais, Twitter, c'est très sombre. Twitter, c'est très sombre. Twitter. On a Twitter, donc on va pas dire. Ouais. Twitter, oui, c'est vraiment très sombre. Bon, ici, on a du coup les 4 acteurs les plus connus dans le domaine. Je connais pas. Ok, vous allez me dire lequel est le plus beau selon vous? C'est vraiment connu. Hein. J'irais celui-là, mais je suis pas vraiment. Celui d'en bas ? Ouais, mais je suis pas. Oui, vraiment... c'est Adam. Adam, ouais. Mais ça s'appelle Adam. Ouais, toi, du coup, alors. Ah bon, oui, oh merde, oui. Ah, son ex ? Non. Okay. Non. Bah, avec toi, alors. Je dirais celui-là. Ok, lui, c'est Simon, je sais pas quoi, un truc comme ça. Ok. Et imaginons qu'un de ces mecs-là se dit j'aimerais me poser avec toi. Pourtant, il fait des trucs à côté. Hein. Non, c'est mort. Même s'il t'aime ? Non. Enfin, ouais. Avec des meufs et tout. Non? Mais son boulot, c'est autre chose. C'est vie privée. Vie... Déjà, à partir du moment où tu me dis, tu fais un boulot comme ça, on peut pas, on n'est pas du même stade, on n'est pas au même niveau. C'est mort. Oui. Et toi, du coup? Non. C'est mort aussi? Non. Vous êtes un peu cruel, vous, hein? Non, pas du tout, mais c'est la vérité. Il va trouver une personne qui va accepter. Je vais à l'école. Oui. Et je travaille. Je peux pas mettre avec une personne comme ça. Bon, dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu des films un peu olé-olé dans votre vie? Des films pas très catholiques, quoi. J'ai compris. Même ce matin. Ah, t'as vu ce matin? Ben, bien sûr. Ah, tu t'es réveillé direct, t'as allumé. Non, mais il est 16h là, non, jamais. Non. Et c'est quoi les meilleurs sites? Moi, personnellement, ouais, je regarde deux sites plus. Alors, dis-moi un peu. X vidéo et Pornhub. Ok, c'est voilà, connu. Tranquille. Okay. Et toi, du coup? Dis la vérité. Hein. Non, pas vraiment. Ah, non, tu sais, quand des fois tu zappes le soir. Ouais, tu zappes le soir. T'as des trucs moins de 16 ans et tout. Ouais. Ah, mais c'est on va dire qu'à la télévision, quoi. Ouais. Ça ne pas vraiment des. Ouais, on va dire un petit peu. Non. Vite fait. Bon, du coup, là, on a l'image des de 4 acteurs les plus connus dans le domaine du X. Lequel, du coup, est le plus beau selon vous? Lui, déjà, il est moche, je sais pas pourquoi il est dedans. Lui aussi, je le connais, je sais qu'il est très. Aussi, Freddy. Ouais, connu, mais il est moche quand même. J'hésite entre les deux du bas. Moi, je crois je vais prendre celui de droite. Droite, c'est quoi lui, son nom? Ouais. Lui, je crois que c'est Adam. Adam. Mmh. Ah, tu t'y connais aussi. Non, mais bon, Eve. Pour la vidéo, je me suis renseigné pour la vidéo. C'est normal pour la vidéo. Ok, toi, c'est Adam. Ouais, Adam. Et toi, du coup? Moi, il n'y en a aucun que je connais. Arrête. Non, honnêtement, je ne vois pas. Lui, là, il est... Adam, encore aussi. Ouais, lui. Ah, attends, il a beaucoup de succès, hein. Eve. Est-ce que vous avez déjà vu des films un peu olé-olé dans votre vie? Sur Netflix, hein. Il y en a, hein. Ouais. Bah non, il n'y en a pas. Sur Netflix, il y a des scènes. Pas ah, des scènes, ok. Tout le oui, film, oui, mais... Des scènes où on voit les trucs ou on ne les voit pas? Les bazouzous, est-ce qu'on les voit? Pas... Non. Bah, vite fait. Alors, c'est des petits zizi, alors. C'est petit, alors. Ok, bon. Alors du coup ici tu vois j'ai une image avec les 4 acteurs les plus connus dans le domaine. Du coup lequel tu préfères lui? Celui d'en haut? Ouais. Rocco Siffredi, encore une fois. Alors lui il a au moins 9000 femmes à son actif, hein. Oh mais il est charmant, hein. Il est charmant, t'aimes bien. Ouais. T'avais dit que Freddy c'était le meilleur. Ah Freddy. Et toi du coup, entre les 4? Ils sont laids, hein. Ah non, c'est les plus connus hein, dans le domaine, hein. Ah ils sont moches. Ah ils sont moches, je trouve. Ouais. Pourtant, ils sont plus forts que les charreaux de Châtelet, hein. Ah oui, ils sont plus forts, hein. Ah ouais. Donc toi, imaginons que lui vient de draguer, tu vois. Et de, imaginons, il te dit ouais, j'aimerais me poser avec toi, en couple et tout. Par contre, je garde mon boulot. Disons que. Pas facile. Hein. Je suis déjà sur un autre mec, quoi. Donc. Oui, mais imaginons que tu es vraiment célibataire, que t'as vraiment aucun mec. Bon, c'est rare, mais bon, ça peut arriver. Voilà. Je vais. Il est vieux quoi. Il a l'âge de notre père. Ouais. Pff, ah oui, d'accord, ok, merde. Mais mon père il est plus jeune. Il est aussi beau. Mon père il est. Parle bien de ton père quand même, hein. Non, mon père il est super beau par rapport à lui. Il est magnifique. Ton père aussi il est beau. Hein. Ouais. Voilà. Bah oui, du coup, si les darons vous regardez, bah vos filles vous trouvent beau, donc c'est bien. Non, voilà. Si mon père il va pas comprendre. Ouais, voilà. Donc après, me giflez pas les darons, hein. Je suis gentil, hein. Ok, voilà. En tout cas, merci à vous. Au revoir. C'est bien. Je te prends juste une petite gorge. Alors vous êtes les meilleurs. Vous grattez, vous êtes les meilleurs. Bon, est-ce que vous avez déjà vu dans votre vie des films un peu X, des films un peu olé olé? Ça vous est arrivé ou pas? Non. Jamais vraiment? Non. En pub, non, en pub. En non, pub non.
Non. Ok, d'accord, j'ai compris. Je calme, ok. Bon, du coup, ici, on a quatre images, ok. Mm-hmm. Acteurs X les plus connus dans le domaine. Mm-hmm. Du coup, lequel est le plus beau selon vous? C'est pas mal, hein, quand même. Moi, les quatre, c'est pas mon style. Ouais, c'est pas mon style non plus. Pas du tout? Non. Même pas un qui sort du lot, quand même, il y en a bien un. Je peux. Je oui, pas. Vas-y, regarde bien. Vas-y. Prends ton temps. Voilà. Franchement, c'est les quatre, j'aime pas. Non. Ok, pas du tout. Pas du tout. Ok, bon, bah la question s'arrête là. Hein, si, désolé, voilà. Mais désolé, non, il fallait prendre. Bah, c'est comme les plus connus du domaine. Hein. C'est vrai? Bah oui, je connais pas. Ils ont quand même genre 3000 meufs à leur actif quand même. Ah ouais, je connais pas. Ok, ça marche, ok. Bon, très merci à vous. De rien. Bonne journée. Est-ce que tu as déjà vu des films X dans ta vie? Ça t'est arrivé quand même, des films X? Ouais, bien sûr. Ok. Tu aimes bien, ça va? Bon scénario, bon personnage? Après, c'est des vidéos, hein. C'est pas... je regarde pas un film, quoi. Ouais, voilà. Alors, du coup, là, on a du coup une image avec les quatre acteurs les plus cotés. Okay. D'accord, ok. Et tu vas me dire lequel est ton goût, tout simplement. Cherche ton nom. Nyama. Lui là, plutôt. Wako Sifuedi. Ok, alors lui, c'est le plus connu. Hein. Ah ouais? Ah oui. Il a au moins 6000 femmes à son actif. Donc j'avais raison, c'était lui le meilleur en fait. Wako Sifuedi, d'accord, ok. Et imaginons que ce mec-là, un jour, te drague. Non mais imaginons d'abord que tu es célibataire, ok? Imaginons que lui te drague. Ouais. Et il voudrait se poser avec toi. Est-ce que tu serais chaud ou pas? Pourtant, il a quand même 6000 meufs à son actif. Non, je suis pas chaud. Parce qu'il est acteur porno, c'est pour ça. Non, je pense pas, c'est que. Je sais pas. De toute façon, ça arrivera jamais. Jamais. Et qu'un jour, il te regarde, il te dit un coup de foudre, tu vois. Oui, après, bah écoute, pourquoi pas, hein, si. Ouais. Mais je pense que, ouais, c'est horrible de dire ça parce que finalement, c'est un travail comme un autre et ouais, je suis vraiment là-dessus. Mais je pense que j'aurais quand même un peu du mal. Même si, quand même, je suis vachement ouverte sur. Enfin, pour moi, c'est une profession, quoi. Enfin, ouais, avant tout. Mais je pense que, ouais, il y aura. Je pense qu'au début, j'aurais peur que ce soit un fake. Mmh. En vrai, il y aurait cette première impression-là. Mais après, je veux dire. Ces gens-là, ils ont le droit de tomber amoureux et d'avoir de vraies relations. Bah oui, normal, parce que comme des humains. Hein. Bah exactement. Voilà, donc attention. Ouais. Faut pas non plus blâmer les travailleuses et travailleurs du sexe. Donc ok, d'accord. C'est grâce à vous que vous vous paluchez le soir aussi. Hein. Voilà, très important. En tout cas, merci à toi. Bah, merci à toi. Bonne journée.